Et coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent, jour 10. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Voilà. Donc, on va le fêter ce soir. Alors, je vais faire l'ouverture des calendriers. Donc, on en était pour l'album à Séverine ici. Donc, aujourd'hui, oula, tout tombe. Voilà. Alors, je vais y arriver encore. Ah, c'est scotché là. Ah non, c'est encore le bleu. Ah bah non. Pourquoi il y a du scotch? Ah bah alors. Ah. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est rose. Et je peux toujours pas dire ce que c'est. Voilà. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de petite image. Donc là, comme ça. Donc là, comme ça, comme ça. Voilà. Et ensuite, ben, là, hier, je vous avais montré. Ouais, voilà. Donc ensuite. Et ben, on passera de l'autre côté. Non. Oui, voilà, comme ça. Et là, donc là, il y a toujours l'insert. Voilà. Trop bien. Et on passera demain de l'autre côté. Voilà. On arrive, on y arrive. Alors, calendrier de thé de Angélique. Donc, jour 10. Alors. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il a plu. Ouais, il a plu. Et puis bon, il fait pas chaud ce soir. Parce que ce matin, il faisait moins froid que ce soir. Ce soir, il y a du vent. Et il est gelé. Ensuite, qu'est-ce que je. Ouais, je vous racontais un peu, mais je sais même pas quoi dire. Ouais, j'ai été acheter une fleur à ma maman. Donc, j'ai fait trois fleuristes pour trouver quand même ce que je voulais. Parce que ils n'ont pas le choix. Enfin, c'est jamais original. Ça m'agace, mais bon. Et puis, ben voilà, j'ai été chercher mon fils à l'école avec son copain, et puis voilà. Alors, aujourd'hui. Ah, ben celui-là, je crois que j'en avais déjà eu. Non, je l'ai descendu. Ouais. J'ai descendu l'autre. Donc, Bio Frutti Mesti. Hop. Voilà. Donc, c'est aux fruits. Et donc, la citation du jour. Alors. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Mandela. Alors j'adore Nelson Mandela, franchement j'adore. Ouais. Alors je vous la relis. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. Ouais, tout à fait. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ouais. En fait, c'est être libre nous-mêmes, mais en même temps ne pas enchaîner les autres, quoi. Ouais. Essayer que tout le monde se sente le mieux possible. Voilà. Donc, dans mon descendeur de lit. Alors, je vais essayer de la remettre en dessous, c'est moi. Voilà. Et alors, donc là, j'ai pris un autre petit. Ah oui, je vous montrerai après. Donc, j'ai pris un petit bonus aussi, en vert. Alors, jour 10. Que dire? Utile pour tellement de créations. Alors, utile pour tellement de créations. Bah, il y a beaucoup de choses qui sont utiles pour beaucoup de créations. Pour tellement de créations. Là, c'est rectangulaire. Il y a du washi qui est utile. Il y a plein de choses, quoi. C'est rectangulaire. On dirait que c'est une boîte. Alors après. Après, je ne sais pas. On va découvrir. Hop. Alors. Satin, ruban. Ah bah ouais, bah dit ouais, du ruban, bien sûr. Ah, en plus, c'est du ruban de Noël, vert et rouge. C'est mes couleurs de cette année, sur ma table. Ouais, c'est trop sympa. J'adore. Donc, on en a un à poids. Alors, attendez. Je sais pas, lui, il est mal. Il est pas bien mis, là. À poids. Ben là, je sais pas si vous le voyez, celui-là.
à pois blanc et enfin blanc à pois rouge, voilà. Ensuite étoile, celui-là il a des bords comme si c'était cousu, enfin de la couture. Ici on a un mélange blanc rouge vert, celui-là du vert avec un liseré doré, il est très beau. Celui-là en vert avec des petites rênes et des flocons. Celui-ci Merry Christmas en rouge et un petit peu de vert. Celui-ci un petit bordeaux avec un liseré doré aussi, il est magnifique. Voilà. Celui-là en blanc avec des sapins rouges. Et celui... Oh, celui-là il est beau aussi. On voit... Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut celui-là. Là, là, voilà. Il est un petit peu vert, enfin il y a du vert et tout, il est magnifique. Attendez, je ne sais pas si je vais l'ouvrir, comme ça je vous montrerai mieux. Alors, ouais, celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Donc celui-là, avec des candy canes et des petites décos. Voilà. Celui-ci en rouge avec des coutures blanches. Ils sont tous beaux, hein, j'adore. Donc celui-là. Celui-là aussi, j'adore. Ça fait très classe, j'aime bien. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci aussi, j'adore. Celui-ci. Je pense que dans la boîte, c'est celui-là que je préfère le moins. Mais après, bon, voilà. Hein, c'est histoire de goût, quoi. Voilà. Et sinon, je les aime tous. Ah, ils sont tous beaux. Celui-là, il est blanc, mais avec une couture, là. Ouais, il est beau aussi. Voilà, celui-là. Et celui-là. Voilà. Ah, je te remercie énormément, Julie. Ouais, c'est vraiment top. Donc là, je vais le mettre là. Alors, ensuite, le petit bonus, donc vert, dans une enveloppe. Donc, qu'est-ce que ça peut être? On dirait comme des... on dirait une épaisseur. Alors, peut-être des stickers ou des coupes. Peut-être. Oh, mais oui! Des découpes, c'est trop bien. Mais et franchement, je te promets, j'ai pas regardé, hein, j'ai deviné. Hein. je regarde pas, bon, non, pas du tout. Ah, en plus, c'est tout sur le thème bébé, j'ai l'impression. Oh, c'est trop bien. Justement, c'est vert, ça va être bien là. Je vais vous les montrer un petit peu quand même. Alors là. Là, il y a un petit ange et une fille. Voilà. Ensuite... Oh, la danseuse, elle est trop belle. Alors, je ne sais pas si comme ça, ça serait peut-être mieux. Ouais, voilà. Voilà. Ici, un petit baby. Enfin, pour boys. Garçon. Et en plus, c'est bien parce que je suis en train de faire un album pour... une petite cliente que d'ailleurs j'arrive pas à finir, mais bon. Un album de bébé sur le tuto de Indiana Papier, je crois. Ouais, voilà. Je suis en train de le faire, mais je crois que je vous l'avais commencé à vous le montrer. Puis du coup, là j'ai commencé à mettre les papiers déco. J'ai mis tous les aimants avant, voilà. Donc, mais j'ai pas fini. Et du coup, bah, ça va être bien. J'ai pas fini parce que j'ai pas le temps. Pas du tout le temps, voilà, mais bon. Je vais y arriver. Donc là, voilà. Encore un petit ange, là. Ben, je pense que ça va ensemble, peut-être. Ouais, non, petit garçon. Voilà. Là, une petite couronne de vêtements de bébé. Ensuite, ah, elle est mignonne, cette couronne. Là, c'est quoi? Une fille avec sa robe. Hop. Et là, voilà ma petite poulette qui arrive. Ensuite, un petit nounours. C'est des découpes bébés. Hop. Là, un petit bavoir. C'est trop mignon. Hein,
Ensuite, une tétine. Enfin, une tétine, pas une tétine, mais un petit jouet. Un petit jouet, un hochet, voilà. Une bouche. Ouais. Ensuite, là, il y a quoi ? Il y a le petit landau, il est trop mignon. Là, le landau avec le biberon. C'est trop chou. Ouais. Ah, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Ensuite, ah, oh, elle est trop belle celle-ci. Ouais. Lot of Love. Ah, c'est ce qu'il y a sur les petits body à haut. Le petit... Ah ouais ? Ouais. Ah là, il y a un petit koala. Il est trop mignon avec le cœur. Ah ouais, elle est trop belle cette découpe. Ouais, ouais, c'est toi le koala. Mes enfants, et quand ils étaient petits, ils n'arrêtaient pas d'être à mon cou. Et c'est pour ça que je les ai appelés les koalas. Mais chacun leur tour. Hein. Ils ont 3 ans de différence, mais bon. Là, bah là c'est trop mignon aussi. Un ours et tout, avec des armes et tout. Elle est belle. Ouais, mais c'est pas grave, elle est belle quand même. Là. Un petit cœur, là, un petit body, ah non, ah, c'est un petit body, non, non, c'est un petit body, mais en double, ouais, non, non, c'est un gant, c'est attaché, voilà, ensuite, un petit nœud, une montgolfière, un bavoir, une tétine cette fois, une étoile, voilà. Ensuite, un body. Attendez, je le mets sur le dessus. Encore la petite fille, là. Voilà. Ouais. Baby boy. Et baby girl. Hop. Et franchement, ça t'a pris beaucoup de temps. Pour faire les découpes, je sais que ça prend énormément de temps. Hein. Ouais. Je sais que ouf, quand on s'y met, puis il y a des dice qui s'y prêtent bien et d'autres pas. Donc du coup, voilà. Et ensuite, baby. Là, il y a un autre baby. Là, il y a des petits pieds. Hop. Et là, il y a un cœur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et voilà. Et là, j'ai des formes de biberon. Ouais, comme ça. Des petits boutons. Ouais. Ah ouais, vraiment trop, trop, trop gentille, Angélique, de m'avoir fait ça. Franchement, c'est trop sympa. J'adore. En plus, c'est vrai que des découpes de bébé, j'en ai pas. Parce que j'ai pas de dice, en fait. Parce que j'en achète pas, parce que je me dis que ça sert pas beaucoup. Et puis voilà, en fait, quand on en a besoin, mais du coup, j'en ai pas. Voilà. Donc, franchement, merci énormément. Ça me fait super plaisir. Alors, attendez, j'essaye de remettre ça. Bon, je le remettrai après. Est-ce que je voulais vous faire voir autre chose? Hop, voilà. Bon, attends, je vais laisser là, parce que sinon, je vais tout faire tomber. Donc, merci énormément, Sandrine et Angélique. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça me fait super plaisir. Et donc, justement, Angélique, je voulais te montrer. Ma fille, elle l'a fait. Regarde. Hop, elle est trop belle. Tu vois? Attends. Elle l'a fait hier. Ouais, elle l'a fait hier. Je sais pas si comme ça, ça se verrait mieux. Non, peut-être pas. Non, pas du orange. Non, du vert peut-être. Ça, peut-être. Non. Du vert peut-être. Ah ouais. Ouais, un peu mieux, mais bon. Attends, on te fait tomber plein de découpes. Ouais. Là, ouais. Ouais, voilà, comme ça, ouais, ça, c'est mieux avec la lumière peut-être. De derrière. Ouais, voilà. Ça se voit mieux. Ouais, ah ouais, ça se voit mieux. Le rouge, il est mieux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça, voilà, ça fait super joli. Puis en plus, ma fille, elle a adoré. Hein. Elle a adoré le faire. Quand je lui ai dit, je te le donne pour le faire, elle m'a dit, ah bah génial. Elle me dit, j'adore. Donc voilà, je te remercie pour elle. La poulette a été contente. Et donc en fait, le rendu est super joli. Du coup, ça va aller dans le sapin. Voilà. Donc merci. Tiens, tu la remettras dans le sapin. Attends. Et alors du coup, le calendrier que ma maman m'a fait, j'ai eu ce bloc de chez Action ce matin, il est magnifique. Je le savais. Je le savais, il est coquine. Alors il est magnifique, donc hop, attention. Là, regardez, je sais pas si vous allez voir le foil, mais il est vraiment trop beau. Je sais pas si vous le connaissez, parce que moi je l'avais pas encore vu. Là, ensuite. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas comment vous le mettre, alors... Hop, on va mettre comme ça peut-être. Voilà. Non, peut-être comme ça.
Je sais pas comment le mettre. Ça me glisse en plus. Alors, décidément, j'y arriverai pas. Il glisse. Bon, bref. Là, voilà. Hein, de quoi ? Non, il est pas trop petit, mon bureau. Là, plus c'est grand et plus tu mets le bazar. Il est quand même pas mal grand. Ensuite, celui-là est trop beau. Vraiment, il est trop trop beau ce bloc. Hein. Alors, ensuite, celui-là. Ah, il n'y a pas deux fois les mêmes. Non, non, il n'y a pas deux fois les mêmes. Dommage. Bah, c'est, ouais, après. Si t'en as un qui te plaît beaucoup, et bah, après, tu peux pas. Ouais. Oh, il est trop beau celui-là. Il brille. Bah oui. La lumière. Il y a du papier holographique dedans. C'est même pas du feuille, c'est du holographique là. On l'a déjà vu lui, non ? Non, c'est pas le même. Voilà, ensuite. Il est trop beau. Ouais. Celui-là. Celui-là. Celui-là, il est rose. Mais à la vidéo, ça se voit moins. Ouais, à la vidéo, ça fait bien. Bon, ça se voit pas trop bien. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait blanc. Là. Ouais, c'est vrai que ça fait blanc, là. Il est rose. Hein. Alors, le blanc, qu'est-ce que ça va donner ? Le rose. Hop. Il n'y a pas de blanc. Si, si, il y en a. C'est pas facile à montrer, là. Hein. Hop. Ah, tu vois le blanc. Il est trop beau aussi. Ouais, c'est bon. C'est vraiment très léger, c'est trop beau. Ah, il est trop beau, lui. Ouais, ouais. Ah, celui-là aussi, il est magnifique. De toute façon, je les adore tous. Voilà. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est bon. Et voilà, donc c'est ce bloc-là. Hop, donc c'est le bloc Paperpad Weave Holographique. Voilà. Ouais. Donc, sinon, aujourd'hui, donc ma fille, elle a eu... Une robe pour les poupées. Ah ouais, une robe pour les poupées. Avec mon fils... Il a eu des crayons. Des crayons de papier. Ah oui, oui, mon fils, il a eu des crayons de papier Halloween. Bon. Il est pas trop... Il est pas trop fan, mais bon, tant pis. C'est toujours des crayons de papier. Hein. Toi, papy, il a eu... moi, si, non, mais non, c'est moi, c'est bon. Mon papy. Je suis en train de faire, vous savez, comme si j'étais à la maison, vous savez. Donc, mon papa, il a eu une boîte de... Vous savez, des petits... Comment ? Des tournevis, voilà, des mini tournevis de précision. Mamie, elle a eu une... Oh, mamie, maman. Mais arrête, tu me perturbes, poulette, là. Ma maman, elle a eu une mousse, enfin, une... comme une... ouais, une foule mousse. J'ai pas vu, moi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, vous savez, les pour se laver, mais c'est... Une éponge. Hein. Ah, voilà, une mousse. Oh là là, n'importe quoi. Une éponge, voilà, qui dure dans le temps, en fait, pour se laver, avec un côté qui gratte et un côté doux. Comment ? Et puis voilà. Oui. Puis voilà, c'est tout. Voilà. Bon, et bien, sur ce, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.